Et salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Spirit of Farer. Mais avant toute chose, sachez que sans obligation aucune, vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit, ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès qu'une nouvelle vidéo sort. Il y a au moins une vidéo par jour. Donc le matin est venu et nous avons mis le cap sur une destination, ma foi, très lointaine. La carrière Oseki. Et on va voir ce que ça va donner. Le trajet étant très long. Et vu qu'on va pas faire grand-chose durant ce trajet, je vais faire une petite ellipse et on se retrouve une fois à destination. A tout de suite. Et voilà. Donc, comme promis, on vient d'arriver. Donc on va aller découvrir cette carrière Oseki. Hop, Stella est déjà montée dans sa petite barque. Allez, en route. Sûrement déjà une zone avec des métaux à récupérer. Ah bah déjà des champignons même. Voilà. Ici on plonge. Est-ce qu'on trouve quelque chose? Non, pas à première vue. Ok, alors la carrière. Ok. Alors déjà ici, très bien. Ça c'est quoi? Du charbon, parfait, parce qu'on en a besoin pour faire fondre les métaux. Ah, là il y a deux galeries. On va essayer celle qui monte d'abord. Enfin, si j'arrive à y passer, voilà. Ah, raté. Par contre, il y a un personnage sur la droite, sur la gauche, pardon. On va essayer de lui parler juste après. Voilà. Oh, c'est un esprit, ça. C'est bon, il faut que tu te ressaisisses, Grégory. C'est ta journée aujourd'hui. Tout tourne autour de l'excavation. Nouvelle journée, prends une grande expiration. Oh! Il y a des passages cachés. Améthyste fois Dieu, diorama miniature. Ah bah alors ça, si j'avais su. Du cuivre peut-être ici? Des minerais de fer. Oh, intéressant ça. Champignons. Champignons. Alors ça doit y avoir un truc avec ça. Hein. Mais j'ai toujours pas pigé. Hein. On a peut-être pas les capacités aussi. Hein. C'est possible. Donc ici, hop, après on va grimper. Alors, où est-ce qu'on peut aller? Ici, superviseur stressé, d'accord. Ah, ça c'est encore du fer, on dirait. Eh ben, c'est très bien parce qu'on va en avoir besoin de beaucoup. Et on pourra aller à la forge du coup. Voilà. Du coup, maintenant on a envie de voir à chaque fois s'il n'y a pas un passage secret. Oh, encore! Nickel. Ici, il y a quelque chose, non? Bon. On va redescendre, du coup. En tout cas, on saura que si on a besoin de fer, c'est la mine qu'il nous faut. Ça, c'est fait.
on va prendre la... On était passé là? Oui, on était passé. Oui, oui, c'est là où il y avait l'espèce de ventilateur qu'on ne peut pas emprunter. Là, on va descendre. Ok. Là, on était passé. On va vérifier quand même ici. Ouais. Oui, encore du minerai de fer. Bah allez. Et bah allez. Non? Voilà. Parfait. Ah non, c'était de l'ardoise. Il y en a grand. Mais non, ça tombe pas en ruine. Oh, j'ai vu passer un truc là-haut. Ah ouais. Bon, on ira voir ce que c'est après. Ça, c'est de l'ardoise. Non, on veut ce qu'il y a ici aussi. Yes. Ah, ça par contre. Ça par contre, on sait que c'est du fer. Il y a des, petits ratés quand même. Hein. Allez, un dernier coup. Yes, encore 8 minerais de fer. Ça, c'est bon. C'est quoi, ça? On dirait une corde magique, mais... enfin, une corde magique. Bon. Il doit y avoir un truc avec ça. On pourra y avoir accès après, genre, ça fait un peu tyrolienne. Bon, pour l'instant, bon, on aura visité l'île, donc ça c'est cool. Il n'y avait rien de caché. Hop, on va descendre ici. Non, rien ici. Rien de caché ici. Ok, eh bien on ressort. Il y avait pas mal de choses, c'est cool. Il fait trop noir pour naviguer, oui, effectivement. En revanche, construire. Chalet d'Alice, lingots de fer, 0 sur 4. Avec quoi peut-on faire des lingots de fer? Minerai de cuivre. 1, 2, 3, 4, 5. Finalisé. Ah, il n'y a rien besoin de, plus dedans. Eh ben très bien. Allez. Ah, il faut du temps, hein, par contre, pour le faire. Hein. Ouais, là, on est bon, on est bon, on est bon. On est dans le vert. Ok, 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 ok. Parfait. Lingot de fer. 5. On va en refaire. Ah, on peut les faire que par 5. Ok. Bon, eh ben, pas de soucis. Hein. Allons-y. Ça y est, ça commence.
Encore un petit coup. Là, on est bon. On va attendre. Et donc, on va en faire 5 de plus, en toute logique. On est toujours dans le vert, c'est parfait. Ah, ça devrait être amplement suffisant. C'est bien, là, comme ça, on passe nos nuits à faire un peu de fort. C'est cool. Parfait. Et 5 de plus. Comment on ressort de là? Je sais plus. Ah, ici, comme ça. Construire. Bungalow d'Astrid. Ah, il nous fera des tissus de lin également. En revanche, ça, on peut construire. On peut le mettre là. Oui. Hop. On peut modifier ça du coup. Ouais, on peut faire ça. Hein. Alors, ça on peut le décaler un chouïa. Ça aussi. Ouais, par contre, du coup, ça. Non, ça, faut qu'on le laisse là, on n'a pas le choix. C'est dommage parce que ça, on peut le mettre là. Yes. Oh, c'est bien vu ça. Est-ce que ça du coup on peut l'enquiller ici? Ah, c'est un peu juste là, mais ça rend pas mal quand même. Là, ça nous laisse encore un peu de place si on veut. Hein. Construire la maison d'Astrid 4/12. On va essayer de faire ça. Hop. Hop, allez, on va tisser. Ça me semble pas mal. Et on devrait bien avancer. Yes, on peut le faire. Ah, par contre, oui, c'est très grand. C'est très grand. Alors, va falloir du coup modifier toute notre organisation avec ça. Là, je peux le mettre là. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quelque chose comme ça. Ça passerait. Ok, là, c'est tout à la même hauteur. Jardin, tout ça. Ok. Ça, je peux le mettre un peu où je veux. Hein. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut également faire ça.
Non, ça non. Ça on peut. Oui. Oui, ça on va vouloir en fait que ça vienne au-dessus. Alors ça on peut le monter. Non. Ah ah ah. Voilà quelque chose de nouveau. Je te colle ici. Toi, tu vas pouvoir descendre là. Ça, on peut le mettre au-dessus là. Tranquillement posé. Faire ça et du coup bungalow d'Astrid toujours pas possible ça. Toi, je te mets là, là, le tout petit truc là. Après, je peux te descendre. Toi, un chouïa. Toi, je peux te poser là-haut ou pas? Non? Bon bah à moins d'agrandir le bateau, pour l'instant, donc on va faire ça, voilà parfait. Très bien, tac tac tac, on veut changer d'endroit. On était là, du coup ça nous agrandit beaucoup. C'est bien ça. Dragon de quartz à nouveau. Kurogawa. Ouh, il y a du port là-bas. Parfait. On va aller donc à Kurogawa. Oui. Ah, donc oui, toi, il y a quelqu'un qui a eu sa maison là. T'es affamé. D'accord. Le bungalow d'Astrid. Non, c'est autre chose que j'avais construit. C'était pas le bungalow d'Astrid. Message dans une bouteille, intéressant.
Un vieux soulier. Allez, dernière session de pêche avant d'arriver à destination. Un bol en céramique, d'accord. Je sais pas ce que donne. Alors, découverte. Furugawa. Furugawa. Très joli, hein. Alors, le bol en céramique, agréable, le bol bientôt précieux pour mettre quoi que ce soit dedans devrait être vendu. Le diorama miniature à vendre également. On a surtout ça. À l'aide, je suis perdu en mer. Avec un peu de chance, cette bouteille te retrouvera. Ton ami, voici mes coordonnées sur la carte. 58 moins 11. Ok. On va descendre et explorer l'île de Furugawa. Si on peut d'ailleurs acheter des côtes de porc pour faire les côtelettes pour Adou à Toul, ce serait cool. Alors, ça va monter par là. Nous, on veut aller par là d'abord. Non, il n'y a rien. D'accord. Ça serait bien aussi qu'on trouve une nouvelle arche. On a deux oboles. Ce serait bien de pouvoir les donner. Ah, là, il y a un truc aussi. Mmh. Salut, oui, salut. Non, non, descends, là. Voilà. Je sais pas où il est, ton frère. Ah, là, on peut grimper. Ouais. Mais il n'y a rien. Ah, évidemment, c'est fermé. Oh! Oui, oui. J'essaie de compléter 5 gravures sur bois. Il te manque la dernière. Elle se trouve dans le village. Le marchand local. Ah, c'est son chemin. Ok. On va essayer de récupérer ça. Là, il y a quelque chose. 5 minutes. Prête? Oui. Allez, c'est parti. Pour commencer, oui. Un puissant symbole. Ok. D'accord. Et là, il y a quelque chose. Non. Pas grave. D'accord. Je lui dirai si je le vois. Ville dynamique, un stand. Ok, bon, ça nous dit juste que... Ouais, mais on s'en fiche un peu, hein. Non, il n'y a rien. Ok. Acheter. Ok, j'en ai acheté un petit peu. Donc, ok, on a pu acheter les côtes de porc. Et c'est tout ce qu'il avait, hein. Il n'y a pas l'histoire de vendre. Waouh. Bon, on va continuer déjà la visite. Ah, sanctuaire a été construit en utilisant seulement les plus fins. Oui, cette histoire, donne-moi une seconde. T'es pas certain? Oh, moi je sais. T'inquiète. 2. Lorsque dans les airs, maintenir A pour planer. Oh oui. Oh oui! Une nouvelle aptitude.
Magnifique. Oh, c'est cool ça. Super cool. Un pourboire. 50 lueurs, oui. Mais de rien. Ouais, ça y est. Voilà à quoi ça sert ces trucs-là. Ouais, c'est cool. C'est super cool. Ah, j'étais trop juste encore. Alors, on sait le plus qu'on peut. Hop. Poster vintage signé. Ok. J'étais un peu trop juste. Ah mais il y en a un hein, quand même ici. Des graines de riz, des graines de poireaux. Oui. Ah mince. Parce qu'il y a encore un truc là-haut là. Alors la maman, elle était où là? Elle était là? Ah mince! Encore, on va refaire un petit essai. Ok. Allez, le plus haut qu'on peut aller. Non, non, on est trop court. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On est arrivé au bout, hein. Ouais, c'est ça. Alors toi, parlez. Bien le bonjour. Item spécialisé, une gravure sur bois. Oh oui. Tout le monde l'a cherché. Une dame morse. Un pactole. Vues. Oui. C'est pas ça que je voulais faire. Acheter. Graines de riz, poireaux, pommes et lin. Donc là, on a avancé un petit peu. Parler à Alice, ok. Retourne voir le collectionneur d'art. Hop. Non. Déjà vendu? Bah oui. Une femme morte, ouais, tout à fait. Uh-huh.
Elle se cache où? Allez, dis-moi. Moins 150, 150. Ok. Cette figurine-là. Ok. Cela dit, j'aimerais quand même terminer de voir s'il n'y avait pas quelque chose à gauche, à droite, pardon. Décidément, ma droite et ma gauche, je sais plus ce que c'était. Voilà, par ici. Ouais, on voit bien qu'il y a des choses là. Voilà, donc on va monter. Hop, et on va passer par là. Salut! Oh, clé de la maison de Furugawa, c'est cool ça. Alors, il y avait une maison qui était fermée à clé. Donc, on va essayer de trouver laquelle c'était de maison. De toute évidence, c'était pas celle-là. De toute évidence, c'était pas celle-là non plus. Bon, il commence à plus en rester beaucoup, hein. Ah, voilà. Hop, maison ouverte avec, évidemment. Grosse bouteille de lueur et graines de lin. Ok, sympatoche. Eh bien, voilà qui est pas mal. On a une personne à sauver sur des coordonnées. Plus la morse à aller voir. On peut retourner également au manoir Maggiore. On peut retourner voir Alice. On a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Et ça nous occupera beaucoup dans les vidéos à venir, car celle-ci est arrivée à son terme. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai pris plaisir à la tourner une fois de plus. Le jeu est vraiment génial, magnifique, onirique, poétique, tout ce qu'on veut, franchement. Une vraie petite pépite. Sur ce, n'oubliez pas le clap, à savoir commenter, liker, vous abonner et partager. Surtout, partager des jeux aussi merveilleux. Ça se partage, car vous le savez, le partage, mes amis, c'est la vie. Allez, à ciao, bye bye.